Ils sortent de Muret. Ils fuient. Ce que les méridionaux avaient pris pour une fuite n'est qu'une ruse. Les croisés vont se jeter à corps perdu dans la bataille, et pour eux ce sera la victoire ou la fuite. Devant vous, les combattants s'organisent en trois corps. Côté méridional, il y a Foix dans le premier corps, Aragon dans le deuxième, et en retrait, les archers du comte de Toulouse. Côté croisé, le corps commandé par Guillaume Desbarres est suivi par celui commandé par Bouchard de Marly, et en retrait, celui commandé par Simon de Montfort. Soudain, les corps de Foix et de Desbarres entrent en contact. La mêlée est acharnée. Elle n'est pas décisive.